Salut tout le monde, c'est Divol Dante et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de mon notre let's play sur Alien vs Predator, en tout cas pour la partie Alien. Qu'est-ce qui vient de bouger? Oh. Ah dommage, vous l'avez pas vu, il a sauté dessus. C'était joli. J'avais des choses à vous dire quand j'ai appuyé sur le bouton, maintenant forcément j'ai tout oublié. Quoi, ce bordel? Quoi? T'as rien vu? Oh, c'est dommage. Putain. J'ai cru que la tourelle allait me voir. Ça aurait été dommage de crever déjà. C'est pas encore la pause, Marine. Alors, est-ce que si on la pousse... Ah, petit hypercute. Alors, je vais essayer de faire ça... Pas vraiment lentement, mais je vais pas me presser non plus parce que les niveaux sont vraiment tout petits, j'ai pas envie de faire des let's play de 10 minutes. Excusez-moi s'il y a un bruit de fond, apparemment mon petit frère n'a pas compris que j'enregistrais. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, quelqu'un, s'il vous plaît. Ok. Ah, il est là. Oh l'enfoiré, il le regarde et tout. Coucou. Merde, il est passé où ce con? Aïe. Arrête pas, tu m'échapperas pas. Le gars, il essaie de tracer un alien. Limite, tu viens avec moi en pâture, t'es moins fatigué avant de mourir. Tu souffres au moins. En tout cas, t'es sûr que quand tu m'as vu, t'es mort. Non, non, il est pas là. Non, non. Faut faire hyper gaffe à celui-là, il a un fusil à pompe. Fusil à pompe, ça me tue en deux coups. S'il est trop près, ça me tue en un seul coup. Il faut vraiment faire gaffe à ce genre de petit enfoiré. Qu'est-ce qui vient de bouger? Eh merde. Forcément, c'est pour ma gueule. Oh putain! Ouais, vous voyez de quoi je vous parlais? Et voilà! Et voilà! Je te bouffe la tête! C'est délicieux! Hop, un petit truc comme ça pour se marrer un petit coup. Oui, s'il vous plaît. Boom, voilà. Alors là. J'attends quelqu'un en fait. Le commandant est censé arriver par là. Bon, on va aller le chercher. Commandant, venez. Venez mourir. Ah merde, il passe où ce con? Je sais pas où est le commandant, en tout cas. Je vois trois beaux abrutis qui vont bientôt crever. Voilà, il est arrivé. Ouh là 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 là, ils sont pas mal armés. Non, 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 non. On va pas encore crever. Je suis mort une fois, c'est amplement suffisant. Mais purée, ils me voient tout le temps, ils sont chiants. Hein. Je suis censé être assez invisible hein, quand même. Putain! C'est pas des yeux qu'ils ont, c'est des lunettes. On va attirer leur attention. Alors. Oh, t'as entendu une explosion? Dommage. C'était derrière que ça venait, connard! Alors, il nous en reste un. Qui a le fusil à pompe d'ailleurs, je crois. On va essayer de la tirer. Hein. Soyons fous. Si je crève, vous avez le droit de m'engueuler. Peut-être aller libérer qui était là. Non. Visiblement, il va pourrir ici, notre ami. S'il vous plaît, j'aimerais bien savoir où vous êtes.
Bon, c'est... J'allais dire c'est pas grave, mais si c'est grave, étant donné qu'on est obligé de le tuer. S'il vous plaît, petit Marines, montre-toi. Je sais pas pourquoi je fais l'accent allemand, mais ça m'amuse. Ramène-toi. Alors, tu peux pas te montrer, là. Ah, il est là. t'as reçu une queue dans ta tête, je crois. Tiens, je vais te la reprendre. D'ailleurs, il était très moche. J'ai encore rendu un service à la communauté en tuant. Merde, il reste un. C'est pas vrai. Ils se foutent littéralement de ma gueule. Ah, il est là. Et ben voilà, celui de commandant dont je vous parlais tout à l'heure. Une belle tête de warrior, lui. Ah, je lui ai dévoré la gorge, c'est immonde. Oh, gelée royale. Voilà. Je vais pas non plus faire tout l'index, hein, mais ce que je vois, je vais les détruire pour le fun. Oula. La porte est toute petite ouverte. Alors, trouve un moyen d'aller dans le bâtiment B03. Putain de labyrinthe, je m'en souviens. Ah oui, oui, je m'en souviens très bien. Je croyais qu'il y avait des marais ici. Nous sommes dans une base, c'est censé être fermé. Bon, là c'est mal fermé, mais c'est... C'est à refaire quoi. Ah bah déjà. Ok. Pourquoi pas. Oh merde. Oh merde, l'abruti m'a vu. Désolé, je regardais autre chose l'espace d'une seconde. Voilà, je profite que le finish soit long pour vérifier que tout va bien sur le PC. Connard! Éteins les lumières. Regarde la taille de cette. Je t'interdis de m'insulter! Ah, il y en a un qui l'autre. Alors. Ok, tu restes en arrière et tu m'enflammes. Bim! Une petite migraine juste après, mais il n'y a pas de problème. Celui qui m'a piégé, il est passé où? Oh, il est là. En un coup, on aurait dit que sa tête, elle était en train d'exploser. Non, toi, là-dedans. Ah non, pas là-dedans. Hop là. Et... Voilà. Pète ça. Je dis pas grand-chose depuis tout à l'heure. Je sais pas vraiment quoi dire. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur ma chaîne. Sur le jeu, il n'y a plus grand-chose à savoir. À part que c'est vraiment édité par des studios pas très connus. Hein. Enfin, si, Sega, c'est connu, mais c'est plus... Pour moi, c'est plus des jeux rétro, Sega, et Rebellion. Franchement, je ne connaissais pas avant de jouer à ce jeu. Et j'ai vu cette marque dans aucun autre jeu, donc voilà. C'est peut-être une des raisons qui a fait que ce jeu n'a pas fait un énorme carton. Encore cette attaque bizarre! C'est quoi ces aliens pervers? Ça se trouve, ma queue, elle est en train de puer la merde! Ah, mais c'est horrible ce que je dis, en fait. Alors, ce qui m'étonne le plus, je crois, c'est que... Il y a un petit problème, là. Ah, un joli royal! Voilà, c'est que l'alien passe quand même là-dedans. Je sais que c'est... Ça se faufile un petit peu partout, un alien. Mais ça, c'est un trou assez petit!
suis fait repérer. Je vais me faire castrer. Et je crois qu'il a légèrement mal au bide. Bon, je vais arrêter avec cette blague. C'est la troisième fois que je le fais dans le let's play. Oh, désolé. Alors, il y a la connasse là-bas qui a le cribbler. Cribbler, c'est la visée automatique et c'est hyper puissant. Hop. Ah, c'est dommage, elle était jolie celle-là. La seule marine jolie, faut qu'on lui bouffe la tête. Hop. Tu ne mourras pas. Je t'ai vu prendre l'explosif, connard. Voix d'ordinateur saccadée. Alors ce genre de truc, il pourrait nous l'épargner quand même. Ah, bonjour. T'as eu mal, j'espère. On se fait un prix de gros. Un prix de gros, pardon. Un prix de gros. Oui. Eh ben dis donc. J'espère qu'il la nettoie sa queue à la fin de la journée, parce qu'il doit y en avoir des trucs, hein. Alors il me semblait qu'il y en avait trois. Ce serait con de se faire emmerder par le troisième. Wow, le troisième. Le seul joueur de la Terre qui appelle le danger. Bon, visiblement il s'est barré. Ah non, il est là. C'est si simple. On aurait peut-être dû mettre en difficile en fait. Voilà. En passant, cette map, pour ceux qui jouent à AVP, vous l'avez certainement reconnu, c'est une map multijoueur, appelée Terminal. Et j'ai un message à adresser aux gens qui jouent à Alien vs Predator. Quand vous vous foutez là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, désolé, ça c'était juste pas prévu. Oh putain, oh, je savais pas qu'ils étaient là. Oh là 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 là, ah oui, là j'ai peur. Alors, je suis désolé, l'imprévu c'était une mine à plasma, c'est Predator qui pose ce genre de saloperie. Oh purée, j'ai eu super peur. Et voilà, elle m'a explosé à la tronche, mais ça veut dire qu'il y a un Predator quelque part. Aïe aïe aïe. Donc voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand les gens, les aliens ou les Predators se mettent là, ou enfin, se mettent camp là, ou arrivent à sauter là, ça nous énerve profondément. Arrêtez ça tout de suite, on va finir par foutre votre idée sur tous les forums de la Terre. Voilà, c'était le petit message. Parce que les gens, en fait, se foutent là, ils ne bougent pas tout le long du jeu. Sauf que quand on est K2, ben, on s'emmerde. Vu que nous, on peut pas les atteindre d'ici. Si par exemple, moi, je suis un prédateur et que c'est un alien, ben, lui, il se fout là. Et moi, je peux pas l'atteindre. Donc voilà, c'était le truc que l'alien n'a pas fait dans la vidéo de présentation à ma chaîne. Dommage pour lui. voilà. Par contre, ça m'inquiète, hein, cette mine à plasma qui vient d'exploser. Oui, vous me connaissez, hein. Je tarde à aller là-bas, mais c'est parce que je sais encore que le niveau va se terminer quand j'irai. Attendez. Ah non, j'ai cru que mon bouton était cassé. Voilà, c'est la fin de l'épisode 3 du Let's Play sur Alien vs Predator. Le final sera pour la prochaine fois. Le final des aliens, hein. Je le redis pour ceux qui n'auraient pas compris. Et... je sais que ce sera épique, et c'est tout ce que je sais en fait. Allez, salut tout le monde, faites attention à la musique, et abonnez-vous.